Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à la question du 22 d'Etony, dans le cadre du challenge d'Etony. Alors la question c'est justement quelle est la question à laquelle vous avez le plus souvent à répondre. Donc quel est le type de question qu'on pose ou alors que je me pose moi. Alors, c'est les questions que je me pose moi, la question que je me pose le plus souvent, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour moi? Voilà, je travaille beaucoup sur les émotions. Voilà, c'est la question la plus fréquente que je me pose. Parce que j'ai, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai un super pouvoir, c'est de me détacher de mes émotions. Sauf que lorsqu'il y a des choses qui sont compliquées à gérer pour moi, je me détache de mes émotions, puis je finis par tomber malade, alors qu'en fait c'est parce qu'il y a une émotion qui essaye de sortir, puis que je la bloque. Il y a un système automatique qui la bloque. Donc voilà, je travaille beaucoup avec les cartes pour m'aider à exprimer ce qui est vrai pour moi et à ressentir que, ah bah tiens, oui, cette situation, en fait, elle m'a provoqué de la colère. Voilà. Parce que je ne le sens pas naturellement. C'est surtout vrai pour la colère. Hein. C'est surtout la colère qui se bloque. Voilà. Donc ça c'est pour moi. Après pour les autres, souvent les questions elles arrivent sur quel est mon avenir amoureux, quel est mon avenir professionnel. Et moi je transforme en fait ces questions, parce que ce n'est pas du tout intéressant comme question, même si ça, comment dire, ça rassure, en fait ça dépossède complètement la personne de son pouvoir. Et puis ça fait croire que tout est écrit dans le marbre, tout est gravé dans le marbre, mais qu'on ne peut rien changer. Donc ça, c'est pas du tout ce qui me plaît, et c'est pas ce, je crois pas du tout, hein, je crois pas du tout que tout est gravé dans le marbre. Donc, au niveau amoureux, la façon dont je vais tourner la question, c'est qu'est-ce qui se joue pour moi en ce moment? Donc soit dans la nouvelle relation, soit dans le fait de ne pas avoir de relation. Est-ce que c'est juste pour moi? Quel sens en fait de ce qui se passe? Et après, on va aller chercher les ressources. Comment faire pour que les choses auxquelles je rêve puissent se réaliser? Est-ce que ce rêve-là, il est vraiment, c'est un vrai rêve pour moi, ou c'est un rêve qui est conditionné par ce que les gens attendent de moi? Voilà. Au niveau professionnel, souvent, quel est mon avenir professionnel? Est-ce que je vais ré réussir? On va plus aller décortiquer qu'est-ce que c'est que réussir, qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi au niveau professionnel, et oui, quel est le sens, qu'est-ce que ça m'apporte, et comment faire pour rebondir et pour que ce qui se passe, qui se produit aujourd'hui dans ma carrière professionnelle, ait un sens et m'aide à avancer, quelles sont les ressources que j'ai pour me sortir de telle ou telle situation, pour aller vers un mieux-être dans mon travail. Voilà. Donc c'est ce genre de questions auxquelles je réponds la plupart du temps. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye!